La communauté du New Jersey et le reste du monde sont à la croisée de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. OnTime Sport avec Gerby Meyer du lundi au vendredi sur OnTime FM. Tennis, football, basketball et volleyball. Allez, OnTime FM, disponible sur Zeno Radio et sur les différentes plateformes des réseaux sociaux OnTime Sport. Du lundi au vendredi, avec Gerby Meyer, analyse, interaction avec le public. OnTime Sport. La communauté du New Jersey et le reste du monde sont à la croisée de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. OnTime Sport avec Gerby Meyer du lundi au vendredi sur OnTime FM. Tennis, football, basketball et volleyball. Allez, allez, allez. OnTime FM disponible sur Zeno Radio et sur les différentes plateformes des réseaux sociaux OnTime Sport. Du lundi au vendredi avec Gerby Meyer, analyse, interaction avec le public. OnTime Sport. Vous êtes à l'écoute du Radio OnTime FM. La communauté du New Jersey et le reste du monde sont à la croisée de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. OnTime Sport avec Gerby Meyer du lundi au vendredi sur OnTime FM. Tennis, football, basketball et volleyball. Allez, allez, allez. OnTime FM disponible sur Zeno Radio et sur les différentes plateformes des réseaux sociaux OnTime Sport. Du lundi au vendredi avec Gerby Meyer, analyse, interaction avec le public. OnTime Sport. Pacifique, Pacifique, oh, you got Pacifique.
Lundi 4 septembre 2023, amis sportifs, yon coquin chen, bonjour, bon tout, notre cœur content pour nous rentrer la caillou pour première sortie OnTime Sport pour semaine. Déjà, bonne semaine sportive en compagnie de OnTime FM. Actualité, on a bien voulu parler de Grenadier New York qui parle bien pour jouer deux matchs dans la Ligue des Nations, Ligue 1, 8 et 12 septembre qui a venu là. Rassemblement lui-même, il a commencé dans le pays République Dominicaine. On a bien voulu faire le point à l'étranger. C'est Ligue majeure en Europe. Nous parlons pour nous faire balade là. En Allemagne, c'était troisième journée. Bayern Munich et Bayer Leverkusen. Ils ont tous les deux gagné 9 points dans tête classement. Bayern Munich gagné Borussia Mönchengladbach 2 goals à 1. Les Wassani, buteur pour Munich. Bayer Leverkusen, lui-même, les gagné équipe d'Amstad là 5 goals à 1. Du côté de l'Hexagone, c'était quatrième journée. Paris Saint-Germain, choc là, gagné équipe olympique Lyonnais 4 goals à 1. 2 goals de Kylian Mbappé, 4 minute de jeu sous pénalité, 45e minute de jeu, Monaco gagne Racing Club Lyon lance 3-0. Donc équipe Monaco lui-même les gagne tête classement championnat de France. En Italie, c'était troisième journée hier, une troisième journée qui ouais deux équipes Milano gagne tête classement. AS Roma depuis en vendredi, t'es incliné 1-2 contre équipe Milan. Raphaël Léo font très bel goal pour équipe Milan. Inter de Milan Tifa lui-même crasé Fiorentina 4-0. Marcus Thuram, les buteurs pour Nirad Zourio. Pendant la troisième journée, ça, champion en titre, l'équipe Naples libé ses pavillons 1-2 contre équipe la zone de Rome. Juventus lui-même gagne Empoli 2-0 pour troisième journée. Ça, du côté de l'Espagne, c'était quatrième journée. Real Madrid lui-même livre le plein, 4 victoires en autant de matchs. Real Madrid dégain, Getafe 2 goals à 1. Jude Bellingham encore buteur pour équipe Real Madrid là, 90e de jeu, le permettre Real Madrid gagner équipe Getafe hein. Hier de la douleur, Barcelone gagne Osasuna 2-1, attaquant polonais Robert Lewandowski sous pénalité 85e minute de jeu, bye Barcelone, victoire là. En Angleterre, c'était 4e journée qui ouais champion titre la Manchester City lui-même, lui fait le plein, 6e sur crasé Fulham 5 goals à 1, 3 goals de Erling Haaland. Et dans journée ça, Arsenal lui-même gagne Manchester United 3 goals à 1. En tennis, n'a pas pour parler de US Open, Novak Djokovic lui-même dans 3e tour, li gagne Borna Gojo 3-7-0, 6-2, 7-5, 6-4. Djokovic lui-même li qualifié pour les quarts de finale. Encore la bien bouge contre Taylor Fritz. On nous fait un premier campeon, l'envini, n'a pas développé titre, non, annoncé là. Vous écoutez Radio OnTime FM. Ma commère, comment bagaille yo même petit? Bagaille yo pas bon même. Yo remet moi mamzelle, l'hôpital pas ka fè rien. Tout côté nous passé, yo di nous c'est ka pèdi. Sorti là. Eh bien, ou pas branché sur OnTime la prière? Qui ça qui OnTime la prière même? OnTime la prière, c'est une émission de prière qui passe sur radio-télévision OnTime de lundi à samedi à partir de 11h du matin. Moun malade guéri, moun qui persécuté joue une solution. Et quel que soit problème ou bien, ou ka joue une solution. Qui ça dit là? Mais comment ka fait pour me brancher même? Li facile pour brancher OnTime. Ou ap jwenn nou sou Zeno Radio, sou YouTube et sou Facebook. Bon mal branché, bon mal branché, bon mal branché, bon mal branché. Que moi, tu sais de la détresse. Tade OnTime Bible Verte, ki sa ki OnTime Bible Verte passe? OnTime Bible Verte, c'est une émission étude biblique qui passe sur radio OnTime WIM tous les lundis soirs à partir de 6h. Capable capter OnTime Bible Verte sur Zeno Radio, sur Google, sur YouTube et sur Facebook. OnTime Bible Verte fini pour aider à comprendre la Bible et pour capable grandir spirituellement.
entre 8h et 9h tous les samedis matins, OnTime FM disponible sur Zeno Radio et sur les différentes plateformes des réseaux sociaux. Attire favorablement vos tympans en vous proposant OnTime en rotation. Un condensé hebdomadaire de toute l'actualité sportive de la semaine. Gerbi Meyer fait le point, analyse et résume les faits saillants des informations sportives. La communauté du New Jersey et le reste du monde ont leur grande écoute tous les samedis matins entre 8h et 9h. On Time en rotation pour vous informer et vous distraire. On Time en rotation. L'émotion et la passion. Gerbi Meyer est à la barre. Allez, allez, à toi de faire rêver. Hey bro, what you been up to? Any updates? Nothing much. The doctor says he's not getting any better. He's getting worse, and there's nothing they can do. So he's not gonna make it. What? What do you mean? Yep. Wow. Well, have you heard about OnTime Prayer? I think you should check it out. What is OnTime Prayer? What are you talking about? Well, let me tell you about it. OnTime Prayer Ministry streams on Zeno Radio and on YouTube and on Facebook. It's scheduled and it's live streamed Monday to Saturday evening at 8 p.m. where you are sick bound, send your prayer request about healing, send your prayer request about any problem that you have, and you will find a solution. I'm gonna check it out. It better work for me. Yeah, just log on. Samedi entre 9h et 10h du matin, OnTime FM. Disponible sur Zeno Radio et sur les différentes plateformes des réseaux sociaux apportés pour nous. OnTime Community. Pour un bon rendez-vous de samedi matin, tout type de débat, sujet à caractère social, économique, santé, immigration, religieux, espace des jeunes, un véritable coin de divertissement hebdomadaire. OnTime Community sur OnTime FM entre 9h et 10h du matin, un vrai régal du week-end. Vous êtes à l'écoute de Radio OnTime FM. La communauté du New Jersey et le reste du monde sont à la croisée de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. OnTime Sport avec Gerbi Meyer du lundi au vendredi sur OnTime FM. Tennis, football, basketball et volleyball. Allez, allez. OnTime FM, disponible sur Zeno Radio et sur les différentes plateformes des réseaux sociaux OnTime Sport. Du lundi au vendredi, avec Gerbi Meyer, analyse, interaction avec le public. OnTime Sport. Nous tenons de dire après pause l'un très content pour nous avec Zamio, donc son plaisir de gagner pour nous ensemble. Jeudi, c'est lundi 4 septembre 2023, donc dans le pays des États-Unis, là, c'est Holiday. Donc, la majorité côté, c'est congé lié. Nous très content pour nous avec Zamio, c'est premier sorti non, pour ce maintenant. Suivez-nous sur pas Facebook, non, sur pas YouTube, non, même bientôt sur Zino Radio. Donc, suivez l'émission on time. Yo, j'ai été annoncé dans le titre Sélection masculine senior noir. Il peut être concerné dans la moitié que tu as là par fenêtre de Kabzi FIFA. Puisque si en Europe, pour aller l'éliminatoire en Coupe d'Europe 2024 que l'Allemagne peut aller pour l'organiser. Donc, ce continent africain, donc, pour aller l'éliminatoire en Cannes. Même si tu es dans un sud de l'éliminatoire en Coupe du Monde. Mais nous-mêmes, c'est parce que c'est pour la Ligue des Nations. Hein. Donc, le 8 et 12 septembre, qui va venir là. Après, nous avons une participation ratée dans le Gold Cup, une élimination dans le premier tour pour Grenadine.
Maintenant, focus là, c'est pour la Ligue des Nations. Hein? Et Ligue des Nations, ça, les prêts de Cap-Di dans la Ligue à Nouye, les prêts ont une importance capitale de Cap-Di pour sélection de Cap-Di masculine. Nous. Donc, deux matchs, c'est pour le 8, nous avons joué dans le pays République Dominicaine contre sélection cubaine. Et puis le 12, nous avons aller du côté de Kingston pour jouer contre sélection jamaïcaine. Donc, dans le groupe A, mobilisation lui-même, les commencer, nous avons dit pour Gonatio. Mobilisation, les commencer. Et nous avons dit depuis 18 août, donc M. Calderon était convoqué. 25 jeunes t'es capable dit pour deux matchs sérieux. Donc en nous retournant t'es capable dit sous liste monsieur Calderon lui-même il était metté dehors 18 août. Nous changer ça, nous changer c'est Johnny Placide, Alexandre Pierre et Garrison Innocent comme gardien yo, défenseur capitaine Ricardo Adé, Carlens Acus, Alex Christian, Steven Seyens, Gavin Metuzala, Jimmy Ben Alexis, Duke Lacroix, Jean-Kevin Duvernay, François Julis, Martin Expérience Omulier, Calf Fred Sainte, Daniel Jean-Jacques, Eliader Dolus, Simon Sen, JP, et puis Atakayo, Derenton, Luzius, Luma Badjo, Franz Biego, Dukens Nazon, Mondu Bounier, Derek Etienne, Jaïgo Jean, ensemble avec Chahidner Borjolin. Donc, c'est convoqué ça, 18 août dernier, nous changer sélectionneur national là. M. Calderon lui-même, il était convoqué, il était capable pour deux matchs. Donc, 8, c'est pour aller en République Dominicaine, j'aime dire contre Cuba. Le 12, on a déplacé, nous pour aller du côté de Kingston pour jouer contre l'équipe Jamaïque là. Pour la première phase, nous était capable dans la Ligue A. Dans les ad-hoc mobilisations, lui-même, commencer. Donc, staff management, là, il est installé dans la République dominicaine pour être capable d'accueillir staff technique, là, et joyeux. Donc, staff management, là, lui-même, il est arrivé. Donc, pendant le week-end, ça, joyeux, même, il y a bien pour arriver, il est capable de graduellement, ça cap sorti en Europe, ça cap sorti, il est capable de dans le continent américain, il y a bien pour capable arriver graduellement, et nous-mêmes, dans OnTime, il y a bien pour au courant et informé de toute dernière information concernant Tekabzi équipe masculine. Donc, il y a deux dates, le 8 contre Cuba, le 12 contre la Jamaïque dans la Ligue A pour première phase. Ligue des Nations, on a mis devant la voile, nous avons pris direction Tekabzi Bundesliga pour nous c'était 4e journée championnat d'Allemagne. Donc, 4e journée qui est Bayer Leverkusen et Bayern Munich, ils ont respectivement fait le plein 3 victoires en autant de matchs après 3e journée. Ça. En troisième journée qui était commencé depuis un vendredi, Borussia Dortmund a fait 2-2 contre l'équipe Offenheim. Pendant la troisième journée, ça, William Brandt et Emre Can ont deux buteurs jaune et noir. En samedi, qui veut Stuttgart qui crase Freiburg 5-0. Bayer Leverkusen gagne Darmstadt 5-1. Pendant journée ça, Jonas Hofmann buteur pour équipe Bayer Leverkusen, ça ne pas oublier Palacios également, Boniface fait 2 goals pour équipe Bayer Leverkusen. Dans journée ça, Werder Bremen gagne Mainz 4-0, Bayern Munich gagne de la douleur équipe Borussia Mönchengladbach là 2-1. C'est Mönchengladbach qui était l'ouvrir score en tout cas à la 30e minute de jeu, Itakura lui-même de la tête et ouvrir score. Bayern Munich t'a pas égalisé dans deuxième période là 58e minute de jeu. Très belle passe en avant dans deux défenseurs qui Borussia Mönchengladbach là de Joshua Kimmich, le Wassane contre la poitrine, la compé portée qui Borussia Mönchengladbach là pour te faire goal égalisation et tardivement. Donc Bayern Munich 87e minute de jeu, Matthijs de Ligt, on connaît de la droite vers la gauche de la tête, il te fait goal breakland pour équipe Bayern Munich là. Pendant journée ça, RB Leipzig gagne Union Berlin 3-0, sans oublier Cologne qui fait un goal partout contre équipe Eintracht Frankfurt là. Après 3 journées, Bayer Leverkusen 9 points plus 8 dans la différence. Ça fait 11 goals. Il prend 3. Il est leader. Bayern en 2e position également 9 points. Il gagne plus 7 dans la différence. Il fait 9 goals. Il prend 2. Stuttgart, Leipzig, Union Berlin, Offenheim, Augsbourg, Freiburg. Ils ont tous gagné 6 points. Darmstadt, après 3 journées, il fait 0 point de cap. Dans le classement, il gagne Gourassi, joueur qui fait Stuttgart, qui a fait 5 goals dans le classement. Puis bon buteur, Boniface, je baille le que c'est gagné 4 goals dans le classement. Puis bon buteur, championnat
dans le match de football du côté de l'Hexagone. C'était un choc qui était gagné pendant journée ça. Lyon contre équipe Paris Saint-Germain, club capital pays la France là. Après une cap dit yoté mal commencé une cap dit championnat de France là, deux premières journées yo avec une cap dit deux matchs nuls dont une contre équipe Lorient. Paris Saint-Germain lui-même qui lui-même et a pas redoré blason. Donc premier gol là 4e de jeu pour équipe Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé sous pénalité. Donc lui-même il était fait premier gol là pour Paris à la 4e minute de jeu. Paris va faire deuxième gol là par Achraf Hakimi 20e minute de jeu. On sent qu'il saute du côté côté droit là. Donc tu une sorte de cafouillage dans carré équipe Lyon, centre de la droite vers la gauche. Donc porte équipe Lyon lui-même il rebousse ballon hein. Et Achraf Hakimi rebond lui-même l'Ital Jeune 27 minutes de jeu, il était fait deuxième goal là pour équipe Paris Saint-Germain. Paris pour faire troisième goal là, très bel goal avec Marco Asensio 38e minute de jeu. Moi te remets phase de jeu et moi mais je passe là lui-même, il était fait là pour Marco Asensio lui-même qui prend là pied gauche magique lui-même fait goal là. Milan Skriniar fait passe là et deuxième passe là pour le faire pour Marco Asensio lui-même qui prend le passe il t'a dit à la limite du hors-jeu pour te compter porter équipe olympique lyonnaise. Donc pour te faire troisième goal là 38e minute de jeu. Donc mi-temps et avant mi-temps en Paris Saint-Germain lui-même il te fait tous les 4 goals lieu et 4e goal là passe en fait en avant pour Kylian Mbappé l'auteur lui-même qui va le faire 45e minute de jeu fait 4e goal là. Donc un très belle passe en avant pour Kylian Mbappé lui-même qui va faire doubler personnel lui. Donc Paris gagne Lyon 4 goals à 1 pendant journée ça. Donc pendant 4e journée ça toujours Nice fait gagner Strasbourg 2-0, Lille gagne équipe Montpellier 1-0, ça ne pas oublier Toulouse qui fait 2-2 contre équipe Clermont. Mais depuis un samedi Monaco gagne Racing Club de Lens 3-0, Golovin et Maripane buteur pour Monégasque. Après 4 journées Monaco a 10 points, c'est leader championnat de France là. 2e Paris Saint-Germain 8 points plus 5 dans goal différence là. 3e c'est équipe Olympique de Marseille. Marseille a eu point plus 3 dans goal différence là. Marseille yo pendant journée ça qui était fait un goal partout contre équipe Nantes là. Reims gagne 7 points, Brest, Lille yo tout gagne 7 points, Lens et Lyon donc clairement yo bon dernier à un grand point qui l'en Mbappé. Malgré le pas de commencer une carrière de championnat de France, il a marqué 5 goals après 5 journées. C'est puis bon buteur Ben Yedder a gagné 4 goals. Deuxième des deux, Kylian Mbappé, l'OTAN. N'a fait un lot campé, l'en tourné, reste Ligue majeure, l'Italie, l'Espagne et l'Angleterre. Donc pour nous, ça qui était fait, actualité, dans reste Ligue majeure. Et n'a fini avec US Open, 4e et dernier Levi Gachelem qui a fait sous saison. Vous écoutez Radio OnTime FM. Comment vous entendez OnTime Bible Verte? Qui est-ce qui est OnTime Bible Verte, pasteur? OnTime Bible Verte, c'est une émission étude biblique qui passe sur Radio OnTime WIM tous les lundis soirs à partir de 6h. Capable de capter OnTime Bible Verte sur Zeno Radio, sur Google, sur YouTube et sur Facebook. OnTime Bible Verte finit pour aider à comprendre la Bible et pour capable de grandir spirituellement. You been up to any updates? Nothing much. The doctor says he's not getting any better, he's getting worse, and there's nothing they can do, so he's not gonna make it. What do you mean? Yup. Wow. Well, have you heard about On Time Prayer? I think you should check it out. What is On Time Prayer? What are you talking about? Well, let me tell you about it. On Time Prayer Ministry streams on Zeno Radio and on YouTube and on Facebook. It's scheduled and it's live streamed Monday to Saturday evening at 8 p.m. Where you are sick bound, send your prayer request about healing, send your prayer request about any problem that you have, and you will find a solution. I'm gonna check it out. It better work for me. Yeah, just log on. Thank you.
entre 8h et 9h tous les samedis matins, OnTime FM disponible sur Zeno Radio et sur les différentes plateformes des réseaux sociaux attire favorablement vos tympans en vous proposant OnTime en rotation. Un condensé hebdomadaire de toute l'actualité sportive de la semaine. Gerby Meyer fait le point, analyse et résume les faits saillants des informations sportives. La communauté du New Jersey et le reste du monde ont leur gros écoute tous les samedis matins entre 8h et 9h. On Time en rotation pour vous informer et vous distraire. On Time en rotation. L'émotion et la passion. Gerby Meyer est à la barre. Allez, allez, à toi de faire rêver. À ton tour de jouer. À ton tour de marquer. À ton tour de Macomère, comment bagayo yé même petit? Bagayo pas bon même. Yore même moi mamzelle, l'hôpital pas ka fè rien. Tout côté nous passé, yo di nous c'est ka pèdi. Sorti là. Eh bien, ou pas branché sur On Time la prière? Qui ça qui On Time la prière même? On Time la prière, c'est une émission de prière qui passe sur Radio Télévision On Time de lundi à samedi à partir de 11h du matin. Moun malade guéri, moun qui persécuté joue une solution. Et quel que soit problème ou guerre, ou ka joue une solution. Qui ça dit là? Mais comment ka fait pour me brancher même? Li facile pour brancher On Time. Ou ap joine nous sous Zeno Radio, sous YouTube et sous Facebook. Bon mal branché, bon mal branché, bon mal branché, bon mal branché. Que moi, tu sais de la détresse. Tous les samedis entre 9h et 10h du matin, On Time FM. Disponible sur Zeno Radio et sur les différentes plateformes des réseaux sociaux apportés pour nous. On Time Community. Pour un bon rendez-vous de samedi matin. Tout type de débat, sujet à caractère social, économique, santé, immigration, religieux, espace des jeunes. Un véritable coin de divertissement hebdomadaire. On Time Community sur On Time FM entre 9h et 10h du matin. Un vrai régal du week-end. Vous êtes à l'écoute de Radio OnTime FM. La communauté du New Jersey et le reste du monde sont à la croisée de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. OnTime Sport avec Gerby Meyer du lundi au vendredi sur OnTime FM. Tennis, football, basketball et volleyball. On Time FM, disponible sur Zeno Radio et sur les différentes plateformes des réseaux sociaux On Time Sport. Du lundi au vendredi, avec Gerby Meyer, analyse, interaction avec le public. On Time Sport.
Nous parlons qu'on y a en Espagne pour nous jouer dans la Liga espagnole. C'était une quatrième journée qui tape joué en Espagne. Une quatrième journée qui ouais Barcelone et Real Madrid. Real Madrid, ils ont gagné respectivement pendant la quatrième journée. Ça. Depuis un vendredi, l'équipe Almeria, Celta Vigo, a gagné 3-2. Cadiz a gagné Villarreal 3-1. En samedi, Real Madrid, Getafe 2-1. Yon victoire difficile pour l'équipe Real Madrid là. Mato 47e de jeu et Jude Bellingham lui-même 90e de jeu. Cap en lui-même, il fait par jouer équipe Real Madrid là, porte équipe Getafe, il repousse ballon en Tcabzi, Jude Bellingham à l'affût, donc un véritable renard des surfaces, il fait 2e goal là pour l'équipe Real Madrid là. T'as dit ça, 5e goal li. Donc là mené classement puis bon buteur championnat d'Espagne là, on y reviendra. Donc Real Madrid lui-même qui fait une 4e victoire en autant deux matchs. C'est Borja Mayoral 11e minute de jeu qui était l'ouvre score pour l'équipe Getafe. Dans la journée ça à la Vez gain Valence 1-0, Betis de Séville gain Rayo Vallecano 1-0, goal que William Osse marqué pour Séville. Hier dimanche là, équipe Football Club Barcelone gain Osasuna 2-1. Jules Koundé 45e minute de jeu de la tête et l'ouvre score pour l'équipe Barcelone. On connaît de la droite vers la gauche. Équipe Osasuna égalisée par avec Ezequiel Avila 76 minute de jeu, et puis Barcelone pral double mise en sous pénalité 85e minute de jeu. Il fait faute là sous Robert Lewandowski, carton rouge pour jouer équipe Osasuna. Attaque à Bologna prend porte équipe Osasuna contre pied pour te marquer 2e goal là pour équipe Football Club Barcelone. Match Atlético Madrid Football Club Sevilla lui-même li reporté. Real Madrid n'a dit nous ça 12 points, 4 victoires en autant de matchs. Deuxième Girona 10 points, Barcelone gagne 10 points. Girona gagne plus 5 dans la différence. Barcelone même gagne plus 4. Athletic Bilbao, AT Madrid, Betis de Séville, Cadiz, tout gagne 7 points. Football Club Séville, t'as de ça. Vainqueur Europa League, il peut qu'on fait point. 0 points pour Séville. Jude Bellingham, d'abdi nous ça 5 goals. C'est puis bon buteur, championnat d'Espagne. Alvaro Morata, Athletic Madrid gagne 3 goals. Même j'ai un tour avec attaquant Séville. William Osse également qui gagne 3 goals tout. Dans le classement, puis bon buteur, championnat d'Espagne de football. N'a quitté l'Espagne, n'a pris direction l'Italie pour nous dire en Italie. C'était troisième journée dans le championnat d'Italie. Une troisième journée qui aurait deux équipes Milan. C'est eux-mêmes qui a mené un tête classement championnat d'Italie. Donc, c'est eux-mêmes. Et cap maintenant classement grand frère et petit frère, donc grand frère Milan c'est petit frère équipe Inter de Milan, donc c'est au tout deux qui a maintenant te cap dit te classement championnat d'Italie. Et équipe Inter de Milan li fait te cap dit un gros score contre équipe Fiorentina 4-0. Et Marcus Thuram lui-même attaquant français lui-même li joue te cap dit un très bon match pour l'équipe Inter de Milan. Papa Lilian Thuram t'es joué en Tcabdina, championnat d'Italien. Donc Lilian Thuram t'es joué dans PAM. Après ça, il a joué de l'équipe Juventus de Turin. Il était dans belle équipe PAM qui t'a gagné Gigi Buffon, Alain Bougossian, Nestor Sensini, Eko. Donc tout était de l'équipe PAM ça. Donc qui est même dans la saison dans les 90. Donc t'es fait beau jouer championnat d'Italien. Lilian Thuram. Donc lui-même, c'est premier capitaine étranger. Donc équipe PAM dans lui-même, il te connaît. Marcus Thuram fait premier goal là pour Inter de Milan 23e minute de jeu de la tête. On sent qu'il saute une tête côté gauche là. Donc il fait reprise de tête là pour le tromper une tête porter Fiorentin. Donc un très bel goal avec on sent une tête de piston gauche là. Federico Di Marco côté gauche là. Donc et puis Marcus Thuram lui-même de la tête, il trompe j'aime t'abdi en porter équipe Fiorentina 23e minute de jeu. Donc pour l'ité Fente Kabdi, premier goal là pour équipe Inter 2000. Capitaine Interisio, 53e minute de jeu. Argentin, chef du monde là. Lautaro Martinez lui-même, l'ité pral fait un deuxième goal là pour équipe Inter 2000. Donc Lautaro Martinez, donc duo ça. Marcus Thuram et Lautaro Martinez, il a cherché Fente Kabdi en pointure. Donc ou aussi synergie lui-même l'été capran. Donc Jean-Lautaro Martinez lui-même l'été formé duo avec Belgian Romelu Lukaku. Donc mi-temps lui-même
il était fini, il était capable de dire 1-0 pour l'équipe Inter de Milan. 53e minute de jeu, Inter pour le faire deuxième goal là. Marcus Thuram, le pral fait passe là pour capitaine Lautaro Martinez. Et puis il faut le frapper pour la porte dans tête en force pour le faire deuxième goal là pour l'équipe Inter de Milan. Donc Marcus Thuram, buteur sur premier goal là. Il pral passeur sous deuxième goal. Lautaro Martinez lui-même, lui marqué. Et puis troisième goal là, lui-même, il pral venir, il était capable de dire 5 minutes plus tard avec Akan Tchananoglou lui-même. Lautaro Martinez lui-même qui fait frappe là malgré une tape dit tac je Fiorentin hein. Mais tac en lui-même il pas servi grand chose. Donc Akan Tchananoglou il pral faire une tape dit troisième goal là pour équipe Inter de Milan. 58e minute de jeu, c'est pour la sous pénalité. Donc Akan Tchananoglou lui-même prend à contre-pied porter équipe Fiorentina pour le faire troisième goal là et quatrième goal Inter de Milan. 73e minute de jeu, Lautaro Martinez lui-même il fait quatrième goal là. 73e minute de jeu pour équipe Inter de Milan et c'est doublé personnel de Kabdi. Lautaro Martinez lui-même, très belle action qui sortit côté droit là et ça là lui-même le fait. Et Lautaro Martinez lui tourne de Kabdi, fait déviation donc reprise là au premier poteau, très belle goal donc de construction action centre côté droit. Et j'ai Lautaro Martinez lui-même lui comme si fait déviation donc pour le faire quatrième goal là pour équipe Inter de Milan. Et doublé personnel, donc 4 pour Inter de Milan, 0 pour équipe Fiorentina. Dans même journée, ça, Torino gagne Genoa 1-0, Empoli Juventus gagne 2-0, Danilo et Federico Chiesa, Lecce gagne Salernitana 2-0. Danilo, ça, deux équipes Milan, Inter de Milan leader, 9 points plus 8 dans la différence là. Deuxième, c'est équipe Milan, c'est un qui gagne 9 points tout plus 6 dans la différence là. Juventus et Lecce, tous deux gagnent 7 points. Empoli lui-même à 0 point par là, le 20e. Et bon dernier, Lautaro Martinez à 5 goals. C'est puis bon 8 heures, championnat d'Italien. Derrière Olivier Giroud gagne 4 goals. Victor Osimhen, attaquant napolitain, gagne 3 goals. En parlant de Naples, pendant la journée, la Jeu de Rome gagne équipe Naples 2-1. Piotr Zielinski, l'était buteur pour napolitain. Luis Alberto, ensemble avec Kamada, fait 2 goals pour équipe la Jeu de Rome. Nan, la Diallo qui fait premier point. Yo. Non, championnat d'Italie. N'a clôturé balade là en Angleterre. Bounzou, c'était quatrième journée en la première ligue anglaise là. Et en quatrième journée qui ouais, Manchester City lui-même lui fait le plein. Quatrième journée, ça depuis un vendredi, ouais, ça m'a gagné Luton Town 2-1. Faut nous dire, c'est parce que Manchester City n'a pas dit ça, gagné Fulham 5 goals à 1, 3 goals de Erling Haaland, 58e, 70e sous pénalité et 90e, Julian Alvarez et Nathan Ake, leurs deux buteurs citizens. Nottingham Forest gagne Chelsea 1-0. Donc, Tottenham lui-même lui gagne Burnley 5 goals à 2, Edmundson, Sud-Coréen, fait 3 goals, 16e. 63e, 66e minute de jeu. Brighton gagne Newcastle 3-1. San Babi Liverpool gagne Aston Villa 3-0. 3-0, pardon, Mohamed Salah. Zoboza est buteur pour équipe Liverpool. Hein. Et puis Arsenal gagne équipe Manchester United là, 3-1. Martin Odegaard égalisé pour équipe Arsenal là. Une minute après, Marcus Rashford et Louis score Manchester United. Odegaard égalisé, Declan Rice et Gabi Jesus. Et il va le faire de l'autre goal. Tardivement pour équipe Arsenal là. Après 4 journées, City fait le plein 12 points. Yo leader championnat. Tottenham, Liverpool, West Ham, Arsenal gagne 10 points. Brighton gagne 9 points. À 0 point Burnley, équipe Luton Town. Elina Lane qui a marqué 6 goals après 4 journées. Des deux gagnent Ferguson et Mbeumo. Yo tous deux gagnent 4 goals dans le classement. Qui bon buteur, championnat d'Angleterre de football. Football. Ça nous fait du nos temps manger tout ça. 64 ans dans le mondial, vous tendez ça. Haïti, j'ai gagné fini, bon, si tu es baïonna. Bon, si on campe la gang, tu parles là. Un gol, pacifique, deux gol, pacifique. Oh, un gol, pacifique, un gol, pacifique. Trois gol, pacifique, quatre gol, pacifique. Cinq gol, pacifique, six gol, pacifique. Si tu parles pour y avoir pour sombrer. Dans ces samba, ma foi, dans ces lalos. Les ou de ces lalos, mon pote, dans ces lalos. Passez-y, 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 passez-y
thank God. Attack, on dit c'est comme ça, huitième de finale, yo même, yo a passé, n'était qu'à dire,
pour US Open la 8e de finale. Donc Jessica Pegula a joué contre Addison Keys, Carlos Alcaraz a joué contre Matteo Analdi dans la 8e de finale, Arina Sabalenka a joué contre Darina, Yannick Sinner a joué contre Alexander Zverev, Gemarketa Vondrousova a joué contre Peyton, une américaine, André Rublev a joué contre Jack Draper, un allemand, Hans Jabeur tunisien a joué contre Zeng, Daniil Medvedev a joué contre Alex de Mino, Djokovic lui-même il était passé 8e de finale par là. Donc Djokovic lui-même en 3-7 qui était gagné en cas du quoi là. Bona Gojo 6-2 7-5 6-4. Djokovic a besoin de 2h27 de jeu pour lui-même il était qualifié pour les quarts. En quart là bien bougé contre Taylor Fritz, donc en quart de finale de US Open, 4e et dernière Lévira Chelem qui a fait sous saison. Il fait 40 minutes après 8 heures. Amis sportifs, nous sommes très contents pour nous ensemble. C'est là que nous mettons fin à la première sortie en Time Sport pour ce maintenant. Donc, continuez à suivre et abonnez avec l'émission en Time FM. Nous avons salué Fritz Derazin lui-même qui a suivi nous sur page Facebook, nous suivi nous sur page YouTube, nous même j'ai suivi nous tout sur Zino Radio. Donc, suivre l'émission en Time Yo. Donc, continuez à suivre nos prochains rendez-vous sur Radio Ansepkal On Time Bibouvette qui arrive à 6h avec Reverend Gilles Priscille et Bishop Kan Saint-Silma. Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous allons nous croiser demain si je veux pour deuxième sortie On Time Show. Vous écoutez Radio OnTime FM. Vous êtes à l'écoute de Radio OnTime FM. La communauté du New Jersey et le reste du monde sont à la croisée de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. OnTime Sport avec Gerby Meyer du lundi au vendredi sur OnTime FM. Tennis, football, basketball et volleyball. OnTime FM, disponible sur Zeno Radio et sur les différentes plateformes des réseaux sociaux OnTime Sport. Du lundi au vendredi avec Gerry Meyer, analyse, interaction avec le public. OnTime Sport,